Bonjour. Ce matin, je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Ellen White. Chantons et prions avec notre prochain. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. 2 Chroniques 29, verset 30. Présenter la vérité avec amour et sympathie, de maison en maison, c'est agir en harmonie avec les instructions que le Christ donna à ses disciples lorsqu'il les envoya pour la première fois en mission. Que d'âme ne touchera-t-on pas si l'on fait monter vers Dieu un cantique de louange, si l'on adresse à l'Éternel une humble et fervente prière, ou si l'on présente avec simplicité la vérité biblique dans le cercle de famille. Les agents divins seront alors présents pour convaincre les cœurs. La promesse divine n'est-elle pas « Je suis avec vous tous les jours » Avec l'assurance de la présence constante d'un tel secours, ne pouvons-nous pas travailler avec espoir, foi et courage? L'œuvre du Christ a besoin de chrétiens qui possèdent le don du chant. Le chant est en effet un des moyens les plus efficaces pour graver dans les cœurs la vérité spirituelle. Que de fois, par les paroles d'un chant sacré, n'a-t-on pas fait surgir des sources de repentance et de foi? Qu'on introduise les membres d'Église, jeunes et vieux, en vue de la proclamation du dernier message au monde. Qu'ils partent avec humilité, les anges de Dieu les accompagneront. Ils leur enseigneront comment prier en public, comment faire monter vers Dieu leur cantique et comment proclamer le message évangélique pour cette époque. Apprenez à chanter les cantiques les plus simples. Ils vous aideront dans le travail que vous faites de porte à porte et vous toucherez ainsi les cœurs par l'influence du Saint-Esprit. Des cantiques d'action de grâce s'échappaient bien souvent des lèvres du Christ, car la joie débordait de son cœur. La parole de Dieu nous déclare qu'il y a de la joie parmi les anges lorsqu'un pécheur se repent et que l'Éternel se réjouit lorsque son Église chante. Tandis que vous irez de lieu en lieu, comme les disciples, pour raconter l'histoire de l'amour du Sauveur, vous créerez des amis et vous pourrez constater le fruit de votre travail. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ton amour et merci parce que tu es le Dieu du chant, tu es le Dieu de la joie, tu es le Dieu de l'amour. Et en ce matin, Père éternel, tu nous rappelles que lorsque nous allons présenter l'Évangile à ceux qui ne te connaissent pas, nous devons leur parler avec espoir, foi et courage. Et nous devons chanter avec eux, nous devons prier avec eux, nous devons faire monter, Père éternel, en toute humilité, de ferventes prières et leur présenter les vérités bibliques avec simplicité. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous rappelles. Tu n'es pas le Dieu de la complication. Tu voudrais, Père éternel, que nous parlions de toi avec simplicité. C'est pour cela que nous te demandons de nous aider, de nous former à ton service et de mettre sur nos lèvres des cantiques joyeux. Des cantiques qui permettront de graver dans les cœurs la parole de l'Évangile. Des cantiques qui pourront revigorer les cœurs. Des cantiques qui pourront apporter la joie dans le découragement. Des cantiques, Père éternel, qui seront chantés pour te célébrer. Merci Seigneur pour ton amour. Merci encore pour ta parole qui nous éclaire. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies. C'est là notre prière pour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas de partager les paroles de l'Évangile en faisant monter des cantiques d'action de grâce.